c'était pour le gros shoot que t'as pas. Ah, d'accord. Oui, bah oui, comme je suis concentré sur le match, des fois, c'est vrai que quand je rattrape le chat, je peux mal comprendre ce qui se passe. Mais dans ce cas, tant mieux si ça va. Alors, ici, il y a deux zones. D'accord, ok. Ici, il y a deux zones. Cette carte-là, j'ai jamais fait dans ce mode-là, donc... Oh là là, on leur a roulé dessus. J'ai pas fait grand chose, mais on a gagné. Ouais, c'est complètement le chouchou. Ah, nice! Alors, ouais. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme matos maintenant? Tu crois que c'est illégal de rouler sur les gens? Oh, je sais pas. Je suis pas sûre. On m'a rien dit, alors je sais pas moi. J'aime bien ce haut, il faudrait que j'aille le faire améliorer pour qu'il ait 4 emplacements, mais là ça va, je peux le garder pendant ce temps-là. Wouah! Avec mes bottes de pêcheur, si! Avec mes petites claquettes! Chaussures dégueulasses! Alors, comme ça, c'est vachement bien, mais elles sont déjà montées à fond. Faudrait qu'à la limite que j'enlève les bonus pour les faire remonter à nouveau. Ah oui, ça, il faudrait aussi que je débloque le quatrième emplacement. Je vais faire ça. Allez! Le style et la bataille! Je ne suis même pas là. Ah, ça y est, je suis là. Tout à fait, c'est mon style, ma bataille, fallait pas qu'elle s'en aille. Mais oui, je sais, j'étais absolument pas dans le ton, mais c'est parce que je ne comptais pas chanter, enfin dans le tempo. Allez! C'est illégal si tu te fais choper. Bon, hé! Oh là! Voilà! Non, 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 ça reste vert. Yeah. Voilà, je préfère.
Oh merde. Merde. Elle va tout casser si vous touchez au pot à tartiner. Eh ouais. Au spot à tartiner, putain. Pas au pot à tartiner. Quoique ça marche aussi, hein, le petit pot à tartiner. Mais le spot à tartiner, ça marche mieux quand même. Hein, c'est plus approprié. Wouhou! Bon, je garde le casque. Je garde le casque, je changerai après. C'est quand même plus relax que le mode Salmon Run. Hein. Moi, je vous avoue, je suis plus détendue quand même. Même si, si jamais on perd, on peut aussi perdre son rang. Mais je suis quand même moins stressée. Ça va, je le vis mieux. Ce lapsus révélateur. Ah bah oui, bah en même temps, faut pas toucher au pot à tartiner non plus, hein, pardon. Ah merde! J'ai pas eu le temps de me retourner. Not this time! Merde! J'ai pas eu le temps d'utiliser mon spécial. Merde. Allez, allez, allez. Ah merde. Ah là, c'est pas super bien parti pour nous, hein. On a du mal à marquer. Non, 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 non. Ah merde! J'aurais pas dû reculer. J'aurais pas dû reculer.
Oh merde! Je pensais qu'elle aurait explosé plus tôt. Ah mince, mince. Mauvais timing. Très mauvais timing. Ah merde! Putain! J'ai rien vu venir! Je m'en fous, je t'emporte avec moi! Ah, je savais qu'il était là, mais j'ai pas réussi à assez bien viser, dommage. Dommage. Ah merde! Bon, je vais arrêter de me TP et je vais y aller à pied parce que sinon, je vais jamais m'en sortir. Allez, allez, allez! Ah merde! Je m'en fous, j'en emporte un avec moi! J'en emporte un avec moi! Bon, en tout cas, c'était un beau match. Hein. C'était serré, mais c'était un beau match. C'est une belle défaite. Mais honnêtement, c'était un chouette match. Hein. C'était très cool. C'était très cool. Allez, encore un match. Je joue bien. Bah écoute, merci. Merci, j'essaie de faire de mon mieux. Je sais quand même que j'ai pas mal de choses à apprendre encore parce que, bon, je joue pas beaucoup. Ce que je veux dire par là, c'est que j'alterne avec d'autres jeux, donc très souvent je perds un peu la main aussi. Mais là, c'était un beau match. Par contre, après, voilà, si je veux continuer comme ça, il faudrait que je prenne le temps de bien customiser mes équipements et de faire en sorte qu'il y ait les bons les bons attributs dessus aussi. J'ai rien vu venir. J'ai rien vu venir. Est-ce que tu restes en vie? Est-ce que tu restes en vie? Reste en vie. Ya! Thank you.
Yeah. C'est genre... Ah, je me sacrifie, mais je laisse mes bombes. Je crois qu'on a gagné. Je pense. Ouais. Mais voilà, ça, la défense de zone, c'est un truc que j'aime bien. Donc ça va à peu près, en général. Par contre, il y a certains autres trucs, j'ai un peu plus de mal. Oh, je suis presque sur le point de passer. Allez, allez. Allez. Jean-Michel Concession, tout à fait. C'est... Oh, 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 dis donc. Non, non, non. Je meurs, mais je balance mes bombes quand même en signe de protestation. Je meurs, mais je t'emporte avec moi. Ou j'essaye. Et puis, après ce match, on devrait avoir les résultats du Splatfest. Et si vous les avez déjà, s'il vous plaît, ne dites rien. Je veux les découvrir en live. En live de la surprise, de la vérité surprenante. Alors, ma manette. Ah ! De la merde. Ça m'apprendra à lâcher le Joy-Con 2 secondes. Allez, monte ! Ah merde! Je pensais que j'arriverais à l'éliminer avec mes bombes, mais... Allez, on y retourne. Je fais que passer. Oh merde! Oh putain la vache! Ah chier, j'avais pas fait gaffe. C'est vachement puissant le lance-bulle. C'est vachement puissant le lance-bulle en fait. Je pensais que j'aurais le temps de monter. Dommage. Bon allez, faut se reprendre là, faut se reprendre, c'est pas sérieux. Putain, mais la carte. Hop là. Ah merde, j'ai pas réussi à bouger assez vite. Je l'ai eu. Je l'ai quand même eu, je l'emporte avec moi dans la mort. Par contre, là, ouf, ça va être dur. Hein. Ça va être dur. Merde! Ah, je pensais que j'arriverais à la voir. Allez, tenez bon, tenez bon! Tenez bon! Oh putain, j'avais pas prévu que la boule soit là-haut! Oh la vache! Allez, allez, allez! Non! Hop là, pas les boules!
Ça te remontait? Et pourtant là j'ai fait de la merde, j'ai vraiment pas bien joué. Hein. Au départ c'était vraiment catastrophique, mais on est bien remonté. Waouh! Et en plus voilà, mes équipements sont à fond, je vais juste augmenter celui-ci, parce que le haut l'est pas par contre. Et hop! Alors! Ça, c'était évident. Ça, c'était clair que la team film était la plus nombreuse. Ça, c'était évident. Attention! Yes! C'était serré niveau match, ouais. Mais c'est souvent comme ça, ouais. Maintenant, même s'il y a plus de gens dans un camp, ça ne veut pas forcément dire qu'on va perdre ou gagner. Ça se joue vraiment, vraiment, vraiment au niveau des matchs et cool. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas gagné un Splatfest. Un livre que tu lis pas, ça te donne le temps de voir 10 films. Pour t'aider à tourner la page, je te propose un grand marathon du cinéma. Alors, quand tu gagnes un fest, t'as 3 coquillages de plus. En gros. Parce que ce qui compte vraiment dans le Splatfest, c'est pas que tu gagnes ou que tu perdes, c'est ton rang. Donc, quand on atteint le rang maître, on récupère 21 coquillages. Et quand on est rang maître et qu'en plus on est dans l'équipe qui gagne, du coup on a un total de 24. Donc, en soi, gagner finalement, ça rapporte pas grand-chose, entre guillemets. À part se dire, j'ai gagné. Et merci pour le follow. Les salmonobos sont tellement les chocottes qu'ils osent pas m'attaquer. Ou alors t'es tellement rikiki qu'ils te calculent même pas. Eh, pour une fois, ils ont changé leur message. D'habitude, c'est pas ça ce qu'elles disent. C'est cool. Enfin un nouveau message. Toi, t'as Splatoon 1, tu es S+. Bah, j'ai jamais pu faire Splatoon 1, je l'ai jamais eu. Mais il avait l'air très cool aussi. Il avait l'air très cool aussi. Mais en tout cas, Splatoon 2 est vraiment, vraiment génial. Et le mode Salmon Rush est très, 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 très sympa. Très stressant, mais très sympa. Donc, si jamais un jour t'as l'occasion de pouvoir jouer un peu à Splatoon 2, et bah, j'espère que tu t'éclateras autant que sur le premier. Parce que moi, même sans faire le premier, j'aime beaucoup Splatoon 2. Ah, bah ça c'est cool! Ça c'est cool. Donc maintenant on est remonté tout plein au niveau des coquillages. C'est cool. Alors, typique. Ouais, je voudrais que tu rajoutes un emplacement sur ce. Non! Sur celui-ci, voilà. Faut que tu te taises un jour? Comment ça? Ah, pour que t'arrêtes de level up. Donc
ça c'est bon, ça c'est bon. Je vais déjà augmenter les trucs à 3. Mais voilà, donc les coquillages, ou les super coquillages, je sais plus leur nom officiel, ça sert à rajouter des emplacements sur les équipements. Donc là par exemple, ça c'est une casquette qui n'a que deux emplacements, enfin qui n'a qu'un seul emplacement. Mais grâce au coquillage, je peux en rajouter un deuxième, puis un troisième, de manière à ce que on puisse mettre des bonus dessus. Et hop, je finis ça. Une fois qu'on a mis des emplacements, soit tu peux, comme je faisais pour le Splatfest, soit tu peux nettoyer ton équipement et donc lui enlever, par exemple, là, lui enlever les bonus jauge spéciale plus et furtivité. Enlever ça parce que en crémenteur ça ne bougera pas, c'est le bonus de base sur l'équipement. Mais les trois autres, tu peux les jarter et récupérer du coup des fragments. Donc là, ce serait deux fragments de jauge spéciale plus et un fragment furtivité. Et avec ces fragments, c'est là où, par exemple, sur une pièce d'équipement qui est sans bonus, c'est là où tu peux choisir de mettre... Ah bah là, d'ailleurs, je peux le faire. Si tu as suffisamment de fragments... pour le faire, tu peux mettre le bonus directement dessus sans avoir à faire level up l'équipement, parce que sinon les équipements gagnent en niveau au fur et à mesure des combats que tu fais, enfin des combats des matchs que tu fais, mais c'est aléatoire. Tu peux un peu influencer le bonus que tu vas avoir grâce aux boissons que j'ai découvert récemment chez Omar, je crois il s'appelle. Mais là voilà, par exemple pour celui-ci, si je voulais mettre le bonus jauge spéciale plus qui permet à ma jauge spéciale de se remplir un peu plus vite, je pourrais le faire, tout comme je pourrais aussi faire le pied au sec. Mais par exemple pour filtre à explosion, il me manque encore 5 fragments pour pouvoir le mettre dessus. Mais du coup c'est pratique, pour vraiment façonner ton équipement et après maximiser tes trucs, tu peux tout équiper. Tout faire level up et tout nettoyer en boucle ou faire en sorte d'avoir les bonus qui te permettent de choper les améliorations que tu veux. Donc c'est pour ça, ça c'est des trucs que je maîtrise pas très bien encore mais qui ont l'air intéressants je pense, et il faut, j'imagine, adapter ça à l'arme que tu joues. Alors, je... Pas en Salmon Run, le mode dont je parlais tout à l'heure. Après, je suis pas très à l'aise en sniper. Je suis plus à l'aise avec mon aérogun, honnêtement. Je suis plus à l'aise avec l'aérogun. Alors, donc, en boisson, j'ai plein de trucs. Et j'ai plus de bonus, je crois. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Écho secondaire... réservoir plein, c'est quoi? C'est plus... Ça se remplit plus vite, le réservoir, c'est ça? Levez d'encre. Attendez, je vais regarder ce que c'est parce que je me souviens plus de tous les bonus. Mais oui, il est cool, le dealer de boissons. C'est quoi déjà, levez d'encre? Là. Augmente la vitesse de recharge du réservoir, ouais, c'est ça. Ouais, je vais prendre ça un peu. Mais ouais, il est grave cool et en plus, j'aime beaucoup son design. Alors, je level up. Est-ce que j'ai une nouvelle arme de dispo ? Ah oui. Alors je sais pas si je vais beaucoup jouer avec, mais je vais tester. Le niveau au sniper, c'est-à-dire, je suis vraiment très nul. Ah, le Salmon Run,
Oui, éventuellement, je peux en refaire un. Je pourrais en refaire un, mais sinon, après, si c'est en match, par exemple, guerre de territoire, là, je suis vraiment nul et non, je préfère pas jouer sniper parce que ça serait pas bien pour l'équipe. Je veux juste tester ça. Donc là, c'est la même arme que la mienne, simplement, c'est les à côté qui changent. Donc, c'est la même arme, hein, ça, vous connaissez. Sauf que, alors, j'ai le sprinkler, très bien. Et la bouboule. Donc ça fait un peu mal. Paf! Elle éclate toute seule au bout d'un moment. Ou sinon... Ça dure longtemps? Je peux en avoir plusieurs? Non, je peux en avoir qu'un seul à la fois, d'accord. Et sinon, je peux la faire exploser quand je veux. Très bien. Ok. Ouais, ça fait mal. Oui, elles ont. Je vais regarder parce que je. Hop! Je vais comparer précisément, mais normalement, elles ont exactement les mêmes stats. Ouais, c'est bon. C'est bien ça. Je regarde juste histoire de d'être bien sûr, mais ouais, elles ont exactement les mêmes stats, on est bien d'accord. Par contre, ouais, on voit la surface ancrée avec. Très bien. Je vais un peu jouer avec. Oh là là, elle est toute dorée! Oh, mais elle a pas le petit drapeau maintenant. Ça me fait bizarre. Tu utilisais celle-ci sur le premier Splatoon quand tu voulais varier avec le rouleau. Sauf qu'à la place de la bouboule, il y avait la méga bombe oui, qu'il fallait viser sur la map. Ah, d'accord. Donc ça c'est une arme du premier, d'accord, bah ça c'est cool. Mais ouais, non franchement moi j'aime beaucoup l'aérogun, c'est vrai qu'avant je jouais beaucoup avec l'arme de départ et le... comment ça s'appelle? Et les liquidateurs. Mais après c'est vrai que je suis passée sur l'aérogun quand j'ai débloqué et bah en fait je suis restée dessus parce que je l'aime énormément. Mais je pense que là, ça va être question de est-ce que je préfère le lance-bombe curling ou est-ce que je préfère la bouboule? Ça va être ça après pour comment je joue, hein. Mais je suis contente de l'avoir enfin débloqué. Sur Splatoon 1, on pouvait mettre deux fontaines. Ah! Le Zapper NES c'était pas trop mal aussi, mais t'aimais moins. D'accord. Le fric aéro, c'est chic. Et donc, ça c'est un mode qui est propre à Salmon Run. Oui. Ça c'est un mode qui est propre à Splatoon 2, pardon. C'est le Salmon Run. Et c'est entre guillemets très simple. Tu peux jouer soit avec trois inconnus, soit entre amis. Soit ça, mais ça non. Le chat non. Au pire, j'utilise Discord si je veux vraiment parler, mais... Donc, t'as une team aléatoire et il y a trois phases. Dans les trois phases, à chaque fois, il faut que tout le monde reste en vie et qu'on remplisse le quota imposé. On a des armes fournies pour l'occasion, mais on ne sait pas ce qu'on va avoir comme arme. On le découvre dès que la manche commence. Donc là, il y a le double Kelvin, un sniper, un sauceur et je sais plus quelle est l'arme. Donc là, j'ai pas le sniper, c'est cette personne-là qui l'a. Mais voilà, du coup, va falloir qu'on survive.
et qu'on y arrive. Alors, cassez-vous. Ah merde. Hop là. Il y a des maps qui sont plus ou moins grandes, il y a des maps qui sont plus ou moins étroites. Celle-ci fait partie des maps étroites. Wouh ! Bon, au moins on a le quota. Première vague fait. Alors, double Kelvin. Et donc voilà, on décide pas les armes. Il y a quatre armes possibles, mais c'est pas nous qui choisissons laquelle on va avoir. C'est remis aléatoirement. Oh merde! Il y a quelqu'un qui est déco, fait chier. Putain, merde. Mais oui, on gueule à l'aide, à l'aide. Oh là là, oh là là, j'espère que ça va passer à 3, mais c'est mal barré. Non, pas touché, pas touché. Ah, barre-toi! Ah, merde! Ah non, bah voilà. Forcément. Forcément. Ouais, 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 bah le Marmirador, il utilise la Pigma Lance, voilà. Il utilise la Pigma Lance, donc comme nous quand on joue en guerre de territoire, ça a les mêmes effets. Ils utilisent les mêmes spéciaux que nous, sauf que, le tout cumulé, c'est un peu la panique. Un peu. Et en plus de ça, quand il y a quelqu'un qui manque dans l'équipe, ça se ressent vraiment. Donc c'est chiant quand il y a des gens qui se déconnectent, mais c'est pas toujours de leur faute. Des fois, c'est leur connexion internet qui merde, donc on peut pas leur en vouloir. Des fois, c'est du rage kit, et là, dans ce cas, c'est des connards, mais... ne sachant pas pourquoi est-ce que... pourquoi est-ce qu'ils déconnectent des fois, bah j'engueule pas. Hein. Ça peut arriver, les problèmes internet, hein, donc... des gens sautaient constamment quand tu essaies de les liquider? Pas trop. Mais c'est ça, c'est pas touché, pas touché, pas touche! Pour citer un célèbre lama. Thank you.
Hop là. Non. Ah, barre-toi. Ah. Oh la vache! Oh. Et c'est pareil, on décide pas non plus, des spéciaux qu'on va avoir. Par contre, on en a deux qu'on peut utiliser absolument à n'importe quel moment, mais on ne décide pas des spéciaux qu'on va avoir. Oh putain, c'est ça! Alors le sniper pour ça, c'est un peu l'angoisse. On va y aller à la grenade, hein. Ah merde! Ah non! Non, non, non! Bon, on va arrêter le Salmon Run. J'ai pas envie de reperdre tous mes points que je me suis fait chier à regagner. On va s'arrêter là pour le Salmon Run, hein. Voilà. Hein, ça suffit, les conneries. On va s'arrêter, hein. Mais le sniper, c'est la pire chose à avoir sur cette partie-là de la manche, parce que les monstres, ils viennent en paquets de je sais pas combien, et bah, le sniper, face à ça, c'est un peu chiant. C'est pas l'arme la plus appropriée, mais malheureusement, on décide pas. C'est sur ça, ça marche pas bien. Mais non, t'inquiète, ça ira. T'inquiète. Allez, on va se détendre. Mais non, mais t'inquiète, Axorm. T'inquiète. Qu'est-ce qu'on peut jouer? Alors, attends, hop, d'abord je vais écouter. Allez, on va faire ça, mais en facile, hein. Ouais, en facile, hein. Oh oh oh. Ah ça y est, je panique. Oups. C'était magnifique. Dis que c'est de la faute aux autres joueurs. Bah oui. Ah ça y est, non mais j'inverse les touches. J'inversais les touches et quand il fallait inverser, je réinversais. Terrible inversion. Ah mais oui, mais appuie pas sur les touches aussi. Pourquoi appuyer sur les touches? À quoi ça sert?
péter les deux en même temps. Paf! Très bien. Non. Ouais, on peut faire ça. Oh non, j'en ai raté un, ça y est, je fais de la merde. Oh. Ah bah oui, les musiques, c'est important. Le binous est taché. Mais non. Oh, je peux même la faire en difficile, allez. On va essayer. Ah bah tout de suite, non, l'inversion entre mélange de double et de simple. Non, 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 on va pas faire ça. Non, non, on va pas la faire. Non, c'est très bien comme ça. On va pas la faire. Voilà, on va faire celle-là. Et je commence par rater la première note. Non mais non. Voilà. La musique préférée de Béré Basque et de Nissi. Enfin Nissi et Odélia. Oh, à deux notes près, je la faisais en or. Oh. La danse des Inklings est bizarre. Ah bah, eh. C'est parce qu'ils peuvent se tortiller comme des algues. Celle-là, je l'ai goldée. Vous voyez, il y a un petit poulpe doré en haut. Je l'ai goldée. Je fais ça pour me détendre un peu. Hein. J'ai le droit après tous ces Salmon Run.
non, ça y est, j'ai fait n'importe quoi. Oh. Oh là là, terrible. Oh là là. Je fais n'importe quoi. Allez. Bon, sur ce, il est quelle heure? 18h33. Bon, personnellement, j'ai. Moi, j'ai ma dose de Splatoon pour l'instant. Mais. Alors, un message à l'attention de Aurore et Axorm. Si vous voulez qu'on joue quand vous aurez le jeu, ou quand vous voudrez. On peut aussi ne pas faire ça en stream, hein. D'ailleurs, c'est peut-être même plus sympa. Enfin, je sais pas, après, c'est comme vous voulez, moi je m'en fous, mais. Je sais pas comment ça va donner niveau connexion, mais. Bref. On peut aussi faire ça tranquillement, posé dans notre coin, il n'y a pas de problème. En attendant, bah ouais, moi je pense que je vais m'arrêter là pour l'instant. Si tout va bien, je reviens ce soir après manger pour un peu de ARMS, parce que jusqu'à demain, 10h, il y a le Party Crash, espèce de Splatfest mais version ARMS, et bah... J'avais dit que j'en referais un petit peu, vu que ça se termine demain matin. J'en referais un petit peu ce soir. Et puis après, on pourra enfin reprendre Zelda. Et puis après, on retournera un peu visiter notre ferme. Et on reprendra notre baston avec les dragons. Comme ça, on reprendra entre guillemets notre planning, entre guillemets, hein, normal. Parce que c'est vrai que ça a été un peu perturbé par ce week-end chargé en événements. Genre, le DLC, le Splatfest, le Party Crash, boum! Incroyable. En attendant, et ben moi je vous dis bon appétit. Et puis, ben je vous retrouve normalement après manger si tout va bien. J'espère que tout ira bien. Et puis, ben d'ici là, des bisous et à la prochaine. Bye bye!